Salut Antoine. Ça va Sylvain? Bien et toi? Oui, tu es prêt pour un nouveau voyage? Ouais. Alors c'est une semaine un petit peu particulière qui nous attend. Mmh. On va parler beaucoup pendant ce voyage de nature, d'écologie, d'environnement. On va se rendre en région Poitou-Charentes où on va donc découvrir ces territoires précurseurs sur l'écotourisme. Ouais, tout à fait, mais notre voyage débute dans l'heure, donc aux portes de Paris, au cœur d'un département qui a vraiment un patrimoine naturel très très riche qu'on va aller explorer. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une mosaïque de milieu, une mosaïque avec beaucoup de mares, des prairies plus ou moins hautes, avec quelques arbustes ou pas du tout, et puis une zone de boisement. D'accord, ça fait un biotope quand même qui est très très riche ici. Dans voilà, une grande mosaïque de milieu, donc une grande diversité d'espèces, et donc c'est le but de la réserve, c'est d'avoir une biodiversité conséquente sur le site. C'est une soupe de quoi? Bien sûr, de feuilles d'ortie. De feuilles d'ortie? Donc les feuilles d'ortie, elles sont ici en présentation. On a, alors quand je parle d'ortie, c'est l'ortie piquante. Ah oui, en plus? Ah ben c'est l'ortie piquante. Puisque, d'accord, ça va nous gratter le gosier un peu. Alors dès que c'est, je vous rassure, dès qu'elle a 30 secondes de cuisson, elle ne pique plus. Eh bien, nous voilà fièrement équipés. Nous avons décidé cet après-midi de suivre la voie verte. Alors c'est un chemin, une voie destinée principalement aux marcheurs et aux cyclistes que nous sommes, qui suit un ancien chemin de fer en fait, qui a été réaménagé, réhabilité pour permettre de faire des belles balades en pleine nature. Donc c'est vraiment super pour se dégourdir les jambes. Il y a quand même 45 km de voie à faire comme ça. On va pas tout faire, hein. On s'est arrêté à Pont-Outou pour récupérer nos vélos et on a aussi récupéré un petit panier repas. Nous allons en profiter au long de la route. Ouais, quand on sera fatigué, la petite pause. Hein ? Carrément. Vivement la pause même. Allons-y.